Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo vlog, ça faisait depuis longtemps que j'en avais pas fait depuis Tokyo. Aujourd'hui, je vous emmène à l'exposition Tamashii Nation pour les 10 ans. Ils font un world tour et il y a une date à Paris, donc c'est le week-end du 15 au 17 septembre. Et là, je vous propose de faire le tour, en fait, du Bastille Design Gallery. Voilà. Donc j'espère qu'on pourra prendre des vidéos, qu'on pourra prendre des photos. J'espère pouvoir vous montrer un maximum de choses, sachant que je sais qu'il y a une boutique à l'intérieur avec 9 figurines exclusives. Donc on va voir ça en détail. Allez, c'est parti! Thank you.
Thank you.
voilà, alors on a fait le tour. J'espère que cette vidéo découverte vlog de cette expo spéciale 10 ans de Tamashination vous aura plu. Ce que je vous avais pas montré en fait, c'est que certes il y avait les 9 figurines, c'est la toute petite séquence qu'on voit au démarrage avec les 12 petites armures, la déesse, Son Goku et le Gundam avec la silhouette aussi noire Tamashination et le petit Daruma blanc qui était donné en cadeau si jamais on achetait. Alors ce qui était donné aussi à l'entrée, c'était ceci, donc c'était le petit passeport. Alors ça, si vous y allez demain ou après-demain, vous l'aurez également. C'est le petit passeport avec la petite carte, et en fait derrière la carte, alors ça je vais vous l'enlever, hop, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a mon petit code, il y a en fait un code qui vous permet de vous identifier sur le portail Bandai Namco et de gagner des points au fur et à mesure de vos différents achats. Autre chose qui était assez intéressante, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait des prototypes, notamment dans les Senseiya, il y avait le Cars qui sort début d'année prochaine, qui était vraiment extraordinaire, hein. Les deux couleurs, elles sont vraiment magnifiques, les deux voitures. Et en fait, il y avait aussi le petit fascicule avec, non pas le catalogue de l'expo, mais le catalogue tout simplement, qui reprend en fait les différentes figurines qui étaient à vendre en exclusivité pour cette occasion là ainsi que tout le catalogue en fait disponible, voilà, avec les Senseiya SSJ3, les Dragon Ball SSJ3, pardon, je suis encore un peu sous choc, découverte en fait des autres figurines Star Wars. Il n'y avait pas les comics SH Figuarts, il n'y avait pas non plus tout ce qui était Mazinger hormis le Goldorak. Il y avait les répliques en fait de Sailor Moon, il n'y avait pas le Street Fighter, le Cars, qui devrait être vraiment top. Et alors, à la petite question, est-ce que vous avez bien compté le nombre de figurines One Piece? Ben, la réponse apparemment, c'est 84. Alors j'espère que je les ai toutes filmées. En tout cas, il y avait toute la gamme One Piece depuis, c'était quoi? C'était 2012 ou 2002, je m'en souviens plus très bien. En tout cas, il y avait 84 figurines, donc voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pouce bleu, cloche, vous vous abonnez, vous connaissez la musique. Moi, je vous laisse avec les photos. Ciao tout le monde, à une prochaine!